Salut et bienvenue à tous pour ce nouveau let's play, cette fois-ci sur Murder Soul Suspect. Voilà, alors donc c'est un jeu créé par... en fait on s'en fout, hein, il y avait tout l'éditeur et le développeur et tout ça juste avant comme vous avez pu le voir. Moi je m'y connais pas spécialement donc je vais éviter d'en parler. Hein. Bon j'ai commencé déjà une partie pour filmer d'ailleurs, hein, mais... pas sans son, donc c'était pas très intéressant de vous montrer. Hein. Surtout que voilà, j'étais vachement drôle et tout ça. Non, je venais juste de commencer une nouvelle partie et j'ai vu que j'avais pas de son, donc j'ai effacé. Souhaitez-vous vraiment écraser la sauvegarde? Oui! Allez, je vous laisse écouter ça. Ce dessin d'une sorte de cloche à main, signature du meurtrier dont la police tente encore de déterminer la signification, est au cœur de la panique suscitée par ces meurtres. Le tueur est désormais connu sous le nom de... Les citoyens disposant de renseignements sont invités à contacter la ligne d'information et l'audit de la police. A été retrouvé par la police. Ce dessin d'une cloche... De plusieurs meurtres au cours des dernières semaines. Aucun lien entre les victimes. Vous voulez dire qu'il n'y a aucune piste? Pas la moindre. Quand on a grandi dans la rue, on finit par se croire invincible. Rien ne peut vous atteindre. Vous ne serez jamais perdant. Et un jour, on arrête un type, et on comprend qu'on n'est pas si invincible que ça. Ronan, d'où vient ce prénom? Caman a piqué mon portefeuille! Il est temps de fêter ça. Papa, ça fait mal! Tu tires ma caisse, tu payes le prix. O'Connor, je vous arrête pour coups et blessures sur vous. Reconnu coupable de deux vols de voiture. Accusé de vol par effraction. Vol qualifié et agression à main armée. Un petit sourire. Ma sœur peut pas épouser un bon à rien. Hein? Je le veux. Oh oui, je le veux. Non, Julia. Reste avec moi, tu m'entends? Julia. Non, m'abandonne pas. Reste avec moi. Ta famille collectionne les délits comme si c'était des timbres. Et tu crois que c'est un signe te rend différent? Saloperie criminelle. Il faut que tu ailles mollo. Ok, ça va te paraître idiot, mais... Si je m'écoutais, je dirais que tu cherches à y laisser ta peau. Retourne-toi. T'es en état d'arrestation. Ah! J'ai fait pour survivre à ça. Reste où t'es, pourriture. J'arrive immédiatement. T'as le droit de garder le silence. Tout flic que tu jetteras par la fenêtre te retrouvera pour t'en coller une. Alors, examinons un peu tout ce qui vient de se passer. Le gars, il est tombé d'un étage. Sur le dos, et tout ce qu'il trouve à faire, c'est ramasser sa clope. et la cinématique, le gars, il est passé en fait de mal alpha à grosse tapette. Oh, forever. Oh. Bon, allez, on avance.
Bon, ce jeu a un défaut, hein, c'est qu'il est automatiquement en QWERTY, donc il faut faire Alt-Maj pour passer en AZERTY et pouvoir contrôler normalement le jeu. Hein. Il n'y a pas de changement de touche ou quoi que ce soit. Sur, on ne peut pas changer les touches. Bon, c'est pas très grave. Ouvrir. Oh non, c'est fermé. Oh. Utiliser. Ah, voilà, hein, WASD, en fait, c'est ZQSD. Hein. Oh, bah. Merde. Elle est où la poignée? Elle est où la poignée? Bah. Oh. Pourquoi ça s'ouvre pas? Bah alors. Eh, bah. Oh, elle est là. Monsieur Smithers. Ouvrir. Oui, bah, comme tout à l'heure, quoi. Ah, y'a. Yeah, eh, hey, attention. Quoi? Non. Oh, c'est classe, il voit son corps et tout, carrément, c'est énorme. J'aimerais trop voir mon corps, mais non, c'est fou. Toucher votre visage, ça fait péder. C'est de la de l'auto... L'auto-homosexualité. Touché. Je me touche. Ah, oh, je suis en vie. Mais comment je peux être hors de mon corps et être en vie? C'est fou. Il n'est pas trop tard. Non. Si j'arrive à revenir dans mon corps, alors peut-être que je me réveillerai. Ah, voilà. Ah, ok. Ah, d'accord, c'est pas ma deuxième jambe en fait. Ok. Donc il faut que je me mette à l'intérieur. J'ai compris. Voilà. Ah, ça bouge. Oui, j'ai réussi. C'est super dur. Ah, ah, ah oui, c'est bon. Ah oui. Ah oui! Ah! La part, quoi. Il se met en apnée, le mec. Voilà, jusqu'ici. Oh! Non! Eh oh! Arrête de bouger, je peux pas. Ouais. Quelqu'un a dû entendre la fenêtre se briser. Souffle x3. C'est quoi ces sous-titres? J'aurais besoin de sous-titrer le souffle, la respiration. Deux râles. Ouah, non, non. Ah, ah, salope. Ah, ah. C'est bon, arrête, calme-toi. Le mec. Il a utilisé toutes ses munitions contre moi. Enfin, toutes mes munitions, c'est mon flingue. Ah, et là, je deviens un fantôme, donc. Ok. Waouh, on dirait qu'il a joui au moment où il est passé dedans. Oh, reviens! Papa! S'il te plaît, reviens! N'importe quoi. Bon, allez, ça y est ou pas? Non, non, toujours pas, toujours pas. Oh, la lumière au bout du tunnel. Avancez vers... Ah, bah, vers la lumière. Oula, la sensibilité, elle est forte. Qui me parle? Qui me parle? Je suis là. Non, moi je vais pas vers la lumière, je m'en fous, il y a des gens là. Salut. Oh, disparaît pas quand j'arrive. Oh, mais what the fuck? What? Pourquoi? Bon, ben on va vers la lumière. Ah, il y a quelqu'un. Ah, oh, Ronan. J'arrive pas à le croire. Ronan McDonald? Oh, pardon. Excusez-moi, c'était une blague douteuse. Oh là là. Oh, Julia. Je croyais que je...
Ah, je vous laisse pas lire les sous-titres, hein, j'en ai rien à foutre. Hein. Il y aura que les mecs qui pourront lire et écouter ce que je dis. Hein. Oh, ça parle mal. Aïe, aïe, aïe. Ce sexisme. Vous allez m'en vouloir. Pour qu'on soit de nouveau ensemble. Bah, on est ensemble, là. Qu'est-ce que tu parles? What? Non. Oh non, ça va pas recommencer par avec toi. Si t'es pas ici, t'es où? Si t'es pas ici, t'es où? Ah, si t'es pas ici, t'es où? Ça dépend de ton point de vue. Dans tous les cas, c'est un tu m'entends, il faut qu'on te fasse traverser le pont. Il faut que tu avances. Que j'avance. Et c'est là que tu es. T'en fais pas pour moi. Il y a quelque chose dans ta vie que tu n'as pas encore fini. On n'a pas beaucoup de temps à réfléchir. Qu'est-ce que tu as laissé en suspens? Ah, j'en sais rien. Il faut que tu trouves. Vas-y. Non. J'ai oublié de baiser mon amante. Oh là là. Il faut que tu te sauves. Cours! Non, Julia, non. Cours! Pas, Julia. Mais merde! Oh. Un homme vient de se faire descendre dans la rue en face de l'immeuble Riyad. Il perd beaucoup de sang. Faudrait une ambulance. Il ne respire plus. Mon ami dit qu'il ne respire plus. Je ne sens plus son pouls. Mon ami dit qu'il ne sent plus son pouls. Et beaucoup de sang. Mon ami dit, oh non, ce n'est pas bon. Parlez, mais je suis un fantôme. Et toi, est-ce que tu m'entends? Ah bah oui, tu m'entends pas. C'est tentative de parler, en fait. Donc si le mec il m'entend pas, toi tu vas m'entendre, non? Madame, s'il vous plaît. Ah oui, bah oui, c'est évident. C'est la logique. La logique. C'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. Oh, une petite fille. Hé, hey, toi. Hé, hey, tu m'entends? Reviens. Reviens là. Mais t'en vas pas. Je suis encore tiède. Je suis tiède. Merci, on a compris. Je vois un chapeau. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Je vois des vitres. Je suis chaud comme la braise, je suis pas tiède, qu'est-ce que tu racontes? J'espère. Je suis mort de toute façon. Viens là. Waouh! Énorme, ça fait des traces. Je vais effacer la peinture. Youhou, ouais. C'est énorme, j'adore. C'est stylé quand même, hein. C'est stylé, c'est stylé. C'est stylé. What? Pourquoi elle tremble? C'est quoi ce bordel? Je peux pas rentrer, non? Non. Bon. On verra plus tard, hein, peut-être. Waouh! Tu peux passer à travers, mais t'as effacé. C'est. Comment t'as fait ça? Moi aussi. Je veux supprimer la maison. Non? Non. C'est pas possible. Viens là. Pourquoi je peux pas passer? Il doit y avoir un autre chemin. Ah bah ouais, je peux passer par... Je suis con, moi. Je peux passer par la poubelle, évidemment. Hé, hey, pourquoi tu t'es enfui? Parce que j'ai peur. D'accueillir tous les nouveaux. Ce n'est pas contre toi. Tu traverses les murs, tu fais apparaître des trucs. On dirait que t'es ici depuis un moment. Tu dois savoir comment ça fonctionne, non? Fonctionne? Oh, tu sais, ce n'est pas si compliqué que ça. Apprends à maîtriser tes talents et peut-être que tu t'en sortiras. Mes talents? Moi, je découvre un peu avec vous, hein. C'est pour ça que je reste un peu silencieux de temps en temps. Qu'est-ce que je veux savoir? Qu'est-ce que tu entends par talent? Tes qualités de vivant deviennent plus puissantes quand tu es mort. Elles se transforment en pouvoir. Certains sont uniques, d'autres communs. La possession, influencer les esprits, manipuler les objets les plus fragiles pour les faire apparaître ou disparaître. Ah, je veux faire apparaître un code miché. Pardon, excusez-moi.
Pourquoi je ne peux pas traverser tous les espaces? Un petit passage alors que j'ai traversé d'autres trucs. Ah. Comment ça se fait? Je croyais que je pouvais tout traverser. L'entrée de tous les bâtiments consacrés par les habitants de Salem nous est interdite. Salem. Sauf s'il y a une ouverture. Une porte ouverte. Ou une fenêtre. Je ne dirais rien. Mais une fois à l'intérieur, plus rien ne peut nous faire obstacle. Tu reconnaîtras les objets qu'on ne peut pas traverser à leur lumière bleue. Ouais, donc en fait, tous les jours, il y a des gens qui ouvrent leurs portes et qui ouvrent leurs fenêtres. Hein, donc je peux rentrer n'importe quand. Enfin, c'est débile. Ne sois pas timide. Dis-moi ce que tu veux savoir. Comment je pourrais me retrouver prisonnier ici? Qui es-tu? Ça fait longtemps que tu es ici, non? Moi? Je suis quelqu'un comme toi. Il y a quelque chose derrière mais la poubelle. Ici, ce n'est pas une cour de récréation. Oh, ton destin dommage. Ton pourrait bien t'échapper. Ou d'autres pourraient te le voler. What? Comment ça, d'autres pourraient me le voler? Ah bah, regardez. Comment je... Qu'est-ce les autres? C'est qui les autres? Comment ça, d'autres pourraient me voler mon destin? Des démons. Ils étaient comme nous, mais leur âme s'est égarée. Comment ça, des démons? Ce ne sont plus que des spectres errants. Je croyais que c'était un jeu d'enquête. Ils permettaient de dévorer les autres. Et oh, je vais pas signer pour des combats, moi. Oh. Comment je pourrais voler mon propre avenir? Hein? Qu'est-ce que tu veux savoir? Comment je pourrais voler mon propre avenir? What? Je veux pas voler mon propre avenir. Désolé, mais je ne comprends pas de quoi tu parles. Comment mon destin pourrait-il m'échapper? Mais la question a rien à voir. Tu as quelque chose à dire ici. C'est n'importe quoi. Tant que ce ne sera pas fait, tu resteras. Ça arrive souvent, ne t'inquiète pas. Ah ouais? Mais regarde-la quand tu lui parles. Oh, ce strabisme! Ah ouais, quand même. C'est fou. Donc, je dois découvrir qui m'a assassiné et l'arrêter. Il a quand même un beau strabisme. Hein. Partir d'ici. Eh bien, bonne chance à toi. Merci. Hey, et tu vas où? Attends, il faut que tu m'en dises plus. Waouh! Qu'est-ce que... Pourquoi? Pourquoi? Qui sait ce qui se cache dans l'ombre? Mais pourquoi? Évidemment, je peux pas la suivre. Hein. Oh là là. Mais je vais quand même la suivre. Saute! Saute! Allez, saute! Ah! 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 Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben, je suis mort. Ça commence bien, je suis déjà mort. Allez, c'est parti. Ah bon, ça va, je réapparais ici. J'avais vu un truc derrière les poubelles. Mais on me l'a fait pas, moi. Merde, c'est pas ici? Ah, il n'y avait rien. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Ouah! Je suis passé où? Ah, mais c'était pas par là que j'étais passé tout à l'heure. Oh, bonjour. Qui êtes-vous? What? C'est mal foutu, hein. On dirait ça en 2D. Pourquoi je peux pas leur parler? Non, je peux pas, non. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Ah, mais qu'est-ce qu'il y a ici? Encore. Ah, supprimer. Ah, je peux supprimer le... What? Mais je suis perdu là. Je suis où? On va supprimer. Ah, oh, énorme, j'ai supprimé la porte. D'accord, donc en fait les portes qui bougent, je peux les supprimer. Ça aussi je peux le supprimer. Ah, énorme. Je vais sûrement pouvoir le supprimer que pour moi, hein, mais ça je peux pas le supprimer, non? Non. Ville. Non, je veux pas aller en ville. J'ai pas tout exploré. Ah, moi, je suis un explorateur. Hein. J'explore tout. Alors, tant pis pour vous si vous aimez pas explorer. Là-bas, j'y suis pas allé. Il y a peut-être un truc. Hein. Ah, voilà. Et du coup, elle est où, la fille? Ah, en fait, elle a pris un raccourci. D'accord. Il y a un truc qui brillait par là.
Vous faites moins les malins, hein, je suis passé, hein. Ah, vous faites moins les malins. Ah d'abord, bah d'accord, hein. Ok, je vais en ville si vous voulez. Bon, je sais pas si vous l'entendez, mais il y a une mouche qui tourne autour. Hein. Je ne pue pas, je vous rassure, hein, je me suis lavé, c'est juste qu'il fait tellement chaud. Bon, c'est bon, je parle, tu vois pas que je parle. C'est plus lequel est l'original, mais lequel est le reflet. Oh, qu'il est mignon. 1, 3, 4, il est où le 2? Ah, il est là-bas, et le 5, ok. Oh, pas lui. Eh, mon chapeau. Enfoiré, mon chapeau. T'es un fort, tu me prends pour un bleu. T'aurais jamais dû te prendre pour l'un des nôtres. Connard. Mec, sur ce coup, t'as vraiment été débile. C'est toi le débile. Là, c'est qui? Chef. Ah. Ouh, la droite. Tu te calmes. Elle a quand même voulu se battre contre son chef. C'est bon. Ouais, et c'est moi le débile. Ce n'est pas votre scène de crime, non. Alors, recueillez-vous et partez. Ouais, c'est peut-être pas ma scène, mais c'est mon enquête. Et demain, ça sera mon enquête. Et après-demain aussi. Jusqu'à ce qu'on l'arrête. Mettez-vous bien ça dans le crâne, sergent. Je suis les ordres du capitaine. C'est la procédure quand un membre de la famille... Enfin... Prenez le temps de vous voler. Je sais plus combien de fois j'ai souhaité que tu meurs. What? Mais c'est pas un ami du coup. Je comprends plus rien là. Eh, fais-moi plaisir, escroc. Tia Chouya, qu'elle me manque. Wouah! Mais en fait, c'est l'amant de sa femme. C'est fou. Je disais ça pour rigoler. J'ai pas d'amante, moi. Faut que je trouve un moyen de lire les notes de Stewart, histoire de voir ce qu'ils ont. Retrouver la piste du tueur. Je vais examiner tout ce que je peux en apprendre et pour en apprendre le plus possible. Démarrer l'enquête. Faut que je trouve un moyen de lire les notes de Stewart, histoire de voir ce qu'ils ont. Alors, est-ce que vous avez vu l'homme à la capuche? Oui. Oui. Je l'ai vu. Il a abattu cet homme en pleine rue. Merci. Non, le banc. Ça pourrait être intéressant de savoir de quoi il parle. Il faut que je sache s'ils ont trouvé des pistes qui m'auraient. Il faut que je trouve une nouvelle piste. Et voilà, donc c'est parti. Le jeu commence enfin avec une enquête, donc ma propre enquête. Et je dois trouver des indices. Donc ce jeu, en fait, il commence par la fin de l'épisode. Et oui, parce que c'est déjà terminé. Hein, comme, enfin, ça fait 24 minutes ou des poussières hein, que ça dure. Et donc, j'espère que ça vous a plu, j'espère que la suite vous plaira aussi, hein. Je ne sais pas du tout ce que va donner ce jeu parce que je n'y ai pas joué non plus. Je fais tout en même temps que vous. Et donc, si vous avez aimé, hein, appuyez sur j'aime, abonnez-vous, ça me fera vraiment très plaisir. Et donc, je vous dis à bientôt, peut-être pour la suite ou pour un autre épisode de Unturned. Et donc, voilà, allez, à bientôt.